Bonjour à tous. Aujourd'hui, donc, pour cette nouvelle leçon, chapitre numéro 2, rencontre avec vos alliés de passage d'âme, votre rituel personnel. On va voir comment faire le voyage de passage d'âme avec nos alliés. On va rencontrer nos alliés de passage d'âme avec notre tambour ou musique du voyage chamanique pour ceux qui ne maîtrisent pas encore. Il faut absolument apprendre à coter ou prendre la formation débutante pour apprendre à aller dans le monde d'en bas. Rencontrer nos animaux totems et leur expliquer qu'on va faire le passage d'âme. Bien sûr, ça, je le fais, donc la formation débutante aussi. Demander de présenter les alliés de passage d'âme, un ou plusieurs vont se présenter. Parfois, certains, on les reconnaîtra car on aura déjà travaillé avant avec d'autres, avant, dans d'autres vies. Dans certains cas, c'est des animaux ou plantes ou pierres. Demander notre rituel personnel d'accompagnement des âmes ou alliés de quoi on a besoin comme objet, plante ou pierre ou autre chose et parfois rien. On va le noter étape par étape. Parfois il faudra des objets, des fois non, pierre, plante ou plume ou rien. Ils vont tout faire, ils vont tout faire eux-mêmes. Écoutez bien, revenez dans ici et maintenant et prendre les notes de tout ce qui a été donné et leur demander comment il faut faire, avec quoi le protocole. Vous pouvez demander aux alliés qui vous transmettent le rituel en son ou en danse, le protocole, vous pouvez invoquer son nom, mais il faut que les personnes ne l'entendent pas, sinon vulnérables par le chaman noir. Par ce procédé, cela va plus vite et facilite le travail. Le rituel est plutôt simple, je l'appelle ici, je prends l'âme et l'âme l'amène dans le royaume des morts. Ce travail est très fatigant. Une dizaine, c'est déjà bien. En une fois, ça ne sert à rien de s'épuiser. Ne forcez surtout pas. Ça sert à rien d'aider tout le monde. On ne peut pas le faire. Pas aider tout le monde. Votre travail numéro 2 ou 3 aujourd'hui. Donc voilà. Donc vous en faites deux ou trois aujourd'hui. Faire plusieurs voyages amenés au royaume des morts. Ici, c'est plus de la négociation qui est importante, hein. Donc, avec quelqu'un qui est suicidé, avec quelqu'un qui est suicidé, il va falloir négocier. Ou avec quelqu'un qui n'est pas au courant, qui est mort, apprenez ce qui est arrivé. Ça, c'est un protocole et vous l'envoyez au royaume des morts en douceur. Plus de galères avec les gens qui ne veulent pas partir. Ils vont se débattre et se cacher, s'échapper. Il faut rester assez ferme et leur dire que les gens les attendent là-haut. Ceux qu'ils ont aimés autrefois, et s'ils restent en bas, ils vont accélérer la mort des vivants. C'est à vous de voir et de leur dire. Demandez conseil à vos alliés. Préparez-vous à faire votre rituel des âmes vagabondes. Notez-le. On va se retrouver dans la vidéo suivante. À tout de suite et au revoir. Que vous avez donc et à revers ce que vous avez à faire dans la leçon, dans le devoir et sur la leçon. Hein, dans la prochaine vidéo, là, tout de suite, nous allons voir donc la méthodologie de cette leçon que je viens d'énumérer. Je vous remercie, à bientôt.